4. Ton bras pas comme ça, comme ça. Ton coude. Ton coude dans le creux des reins. Ça fait des crampes. Hein. Ça, je pense. Ça fait des crampes. Hein. Différencier du V-Day Asia qui correspond au 2 septembre, jour de la signature de la capitulation du Japon. Pour beaucoup d'Américains, Memorial Day, la fête du souvenir, est célébrée le dernier lundi de mai. Il marque le début officieux de l'été. D'ailleurs, ils sont nombreux les Américains qui feront plusieurs centaines de kilomètres selon week-end pour se rendre chez les Américains. D'autres ne feront que profiter de leur temps libre et de la température pour se détendre. Il n'en demeure pas moins qu'à un moment ou un autre, la plupart des Américains penseront au sens véritable de ce jour et de rendre hommage à ceux qui sont morts en défendant notre pays. Foire d'objets artistiques, artisanaux, un festival de la fraise, de bananes en charrette. Un grand personnage représente Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, et raconte sa vie. Abraham Lincoln, président après la guerre de sécession. Et c'est lors de la guerre de sécession que la fête du souvenir a trouvé ses origines. Ce conflit fut plus de 550 000 victimes, et nombreux furent ceux qui commencèrent à placer la fleur sur la tombe des soldats morts au combat. Plusieurs villes des États-Unis continuèrent à marquer ces jours de décoration une fois la guerre terminée. Le 5 mai 1866, Waterloo célébrait donc son premier jour de décoration. Et le général John Logan déclara en 1968, le 30 mai, jour réservé à la couverture de fleurs ou à la décoration appropriée des tombes des camarades morts en défendant leur patrie. De nombreuses cérémonies eurent lieu ce jour-là, dont une au cimetière national d'Arlington, en Virginie. Cette cérémonie fut présidée par le président Roosevelt. Et après les discours et les hommages des milliers de personnes, orphelins de guerre, anciens combattants,
décorèrent les quelques 20 000 tombes des membres de guerre du cimetière d'Arlington. Une trentaine d'années plus tard, pratiquement tous les États des États-Unis avaient officiellement institué le 30 mai en tant que jour de décoration. Après la Première Guerre mondiale, on mit à profit ce jour pour rendre hommage à tous ceux qui étaient morts pour la patrie, et après la Seconde Guerre mondiale, ce jour devint jour du souvenir. En 1951, le Congrès en fit un jour férié officiel et fixa sa commémoration au dernier lundi de mai. La première commémoration de cette journée à Waterloo reposait sur la décoration des tombes des soldats, la mise en paire de drapeaux et l'organisation de défilés d'anciens combattants. Aux quatre coins des États-Unis, dans les villes et municipalités, de telles cérémonies se poursuivent aujourd'hui. Et généralement, le président ou le vice-président des États-Unis assiste aux cérémonies organisées au cimetière d'Arlington, et des cérémonies solennelles se tiennent sur les sites des champs de bataille de la guerre de sécession. À 15h, un moment national du souvenir unit les Américains dans la prière et dans les pensées, alors qu'ils réfléchissent aux sacrifices faits pour eux. Aussi, aujourd'hui, nous réfléchissons au sacrifice de nos morts, civils, militaires, et plus particulièrement ici à nos prisonniers qui ont subi les coups, la torture, le viol, la mort, toutes ces atrocités que mes faibles mots ne peuvent davantage décrire. La tristesse nous envahit. Elle nous envahit alors même que nous allons profiter de ce week-end. Nous baissons nos têtes, nous nous reculons. Right, shoulder, oh! Step, 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 right, step.